c'est Maxina, se trouve sur les aventures de Mass Effect Andromeda. Dans le précédent épisode, nous étions sur Eladen, nous avons fait la quête de notre cher ami Drac, et maintenant, Ryder nous propose un verre. Alors maintenant qu'on récupère le transporteur, qu'est-ce que vous pensez? Passez au champ de Krala la prochaine fois que vous serez à Port Kadara. Ok, nickel. On va justement y aller pour Pibi. On pourra donc continuer avec cette histoire. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je voulais justement continuer. Mission Deus, Nexus, Contagion. Voilà, on va continuer de poursuivre ça. Moi qui pensais que la quête avec Drac, ça irait plus vite que ça, mais non. On a mis 3000 ans encore. Alors. Donc Eladen, je pense que c'est terminé. Anassa, Contagion, c'est parti. Console. Ah! Je me demande s'il y a des cheat codes à utiliser avec la console comme ça. Non, ça doit être bloqué. Ils ont dû faire comme pour... Ils avaient fait un truc, il me semble, pour... Je crois que pour Dragon Age 2, ils avaient bloqué l'accès à la console. Il fallait aller dans les dossiers du jeu pour pouvoir l'activer. Et là, pour pouvoir utiliser les cheats. Sur Dragon Age Acquisition, il me semble pas que c'est possible. Mais enfin, bref. Je sais que dans Mass Effect 1, c'était possible de cheater comme ça. Mass Effect 2, c'est pas possible. Enfin. C'est compliqué. Allez, tab, passez. On se dépêche, s'il vous plaît. Toujours pas le vaisseau. Les radiations correspondent aux autres scans, c'est notre navette. Donc c'est toujours pas ici. Attends, merde. Est-ce qu'il y aurait pas une de ces fameuses navettes à la con là? Non, il y en a pas. Donc du coup, où elle est partie? Elle est partie là, Solimane. Solimanae. On va aller la chercher. Aïe aïe aïe. En tout cas, ça m'avait manqué moi. Qu'est-ce que nous avons ici? Les capteurs montrent une anomalie. J'essaie d'avoir un scan. Ah, une autre anomalie. Sonde larguée. Sonde déployée. Est-ce que ça serait justement... J'ai trouvé quelque chose. Épave de vaisseau spatial. D'accord, c'était décalé comparé au truc, mais bon. On va aller le voir déjà, celui-là. Avant qu'on l'oublie. Voyons si on peut limiter la liste des endroits possibles. Bon, c'est tout. Y'a pas d'autre? Non, ok. Hop, on va donc chercher le vaisseau de l'autre damoiseau. Ah, non, toujours pas, putain. Pionnière, les scans confirment que la piste de la navette endommagée mène à un site d'atterrissage sur Kadara. Sur Kadara? Oh putain, nickel. Donc du coup, on va pouvoir y aller là-bas. Alors, Nakmordrak... Quoi? Un avion pour notre peuple? Nexus? C'est pas sur Kadara qu'il voulait aller? Bon. Donc bah on va aller sur Kadara pour finir Contagion et faire le truc de Pibi. Et on ira faire le truc de Drac. Et on draguera Pibi au passage. Géant, donc vous voyez, ils sont bien allés sur Kadara. Très bien, c'est parti. En orbite autour de Kadara. Alors, Nakmor, ben si, voilà, mais pourquoi il y a une autre quête alors je comprends plus rien. Bon, allez hop, je crois que je m'étais trompé, mais visiblement non. Donc je sais pas, on va aller faire le truc de Contagion, boire un verre avec Drac, et ensuite on va aller voir Pibi pour faire sa quête, et on se casse pour faire tout le reste. Combien de temps il nous reste? 25 minutes? Ouais, je pense qu'on aura le temps de tout faire. On aura le temps de tout faire. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était un autre micro qui était activé. Alors... Ah non, c'est en bas. Ah d'accord. Dans ce cas... Putain, cette idée de la porte hyper longue, sans déconner, ça servait à quoi? Pourquoi faire? Hop là. Drac doit être là. Ouais, voilà. Oh. Et qu'est-ce qu'il a... Je me demande si je veux savoir. Oui, voilà. Hein? Oh, ça?
pauvre abruti que ses potes ont convaincu de faire un duel de coups de boule avec moi. De bons amis. Hey, toi. Pas dans mon bar. Je te connais. T'es du Nexus, pas vrai? Ils ont tous la même coupe, vous la même tête ici. Vous avez fait du mal à mes potes. Maintenant, à ton tour d'avoir mal. Ça veut se bastonner, on dirait. Ça vous tente, Trailer? Allez. Et pas qu'un peu. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah ouais? Et avec quelle armée? Pas besoin d'une armée. J'ai un Krogan. Non, mais tu te prends pour qui, toi? J'adore. Le galérien, je crois qu'il a rien demandé, mais qu'il va quand même s'en prendre une. Allez hop, tac. Que des femmes en plus. Allez, ça va chier. Par les burnes de vôle, je suis trop vieux pour ces conneries. Est-ce que je peux vous demander un truc, Ryder? N'en parlez pas à Kesh. Comptez sur moi. Oui, je sais. Ce que je veux, c'est qu'elle s'inquiète pas. Ah, c'est magnifique. J'adore ce duo. Ah là, ça y est, là je commence à prendre goût là. À prendre goût au personnage et tout. Là c'est agréable, ça fait du bien. D'avoir un petit peu, quelques petites nouveautés après tout ce remue-ménage. Alors par contre le truc de... Voilà, merci, je voudrais bien que tu ouvres la porte. Où est la quête de la demoiselle? Ah, elle est là? Oui, c'est là. Non. Oh merde. Putain, Pibi, tant que t'étais là, t'aurais pu nous filer un coup de main. Bon, c'est pas grave. On s'est quand même bien marré. Habitus. Ah, voilà. Dis donc. Vous êtes mon nouveau meilleur ami. Oh, Ryder, j'aimerais vous présenter mon nouveau meilleur ami. C'est comment votre nom déjà? Samrick. Ah oui, voilà. Samrick s'est montré plein de compassion au sujet du vol de Peck. Il a fait partie de la bande de notre chère Kalinda, et il connaît ses points de rassemblement, ses planques et autres. Alors, c'est un VIP. Eh bien, Samrick est quelqu'un de très important dans ce cas. Oui, mais il a un peu de mal à le comprendre. Écoutez, les vers, les flatteries et tout ça, c'est sympa, mais... Kalinda aime pas trop qu'on parle de ses affaires. J'ai salement morflé quand elle m'a viré de son équipe. J'ai pas franchement envie de revivre ça. Avec moi, ce sera pire. Vous feriez mieux de vous inquiéter de ce qui va vous arriver tout de suite. Vous ne croyez pas? Vous avez peut-être survécu à Kalinda, mais vous avez pas encore vu ce que Ryder sait faire. Et quand vous aurez craché le morceau, Kalinda vous punira pour avoir parlé, de toute façon. Alors? Vous voulez vraiment une raclée de plus? C'est bon, c'est bon. Merde, vous jouez vraiment pas réglo, vous. Merci, Ryder. Ça ira, il va se mettre à table. Je saurai bientôt où chercher Peck. C'est tout? Sans déconner, c'est pour ça que vous m'avez fait venir? Sur Eladen en plus, putain, il faut y retourner. C'est quoi ça? Qui c'est? Avitus! Mais qu'est-ce que tu fais là? Avitus, c'est vous? Ne plus jamais vous revoir, c'était trop demandé, j'imagine. Ouais, on dirait bien. Je roule ma bosse. Comment bien vous fasse? H047C. À propos de ce qui s'est passé sur H047C... J'ai pas envie d'en parler. Mais... J'ai fait mon choix, Ryder. Bon ou mauvais, peu importe, ce qui est fait est fait. D'accord. Kadara? Qu'est-ce que vous faites sur Kadara? Je joue du flingue, je bois. Pas forcément dans cet ordre. Qui vous paie votre solde? Les insurgés ou le collectif? Aucun des deux. Je suis à mon compte. Le
plus souvent, je loue mes services aux colons qui se sont installés près du port. La suite. Vous prévoyez de rester sur Kadara ? Je prévois de ne rien prévoir du tout. J'irai là où il y a du boulot, ici ou ailleurs, peu importe. Un de ces quatre, Avitus. C'est ça. Ok, bon, bah c'était tout. Et donc on a la quête de Contagion, oui, il faut aller en dessous, dans les bas quartiers d'après ce que j'ai compris. Bon bah c'était plus rapide que ce que je croyais. Là il nous faut quoi? Il nous reste 20 minutes, très bien, on a largement le temps, on pourra même quitter cette planète pourrie, j'avais pas du tout envie d'y rester. Hop, retourner, non, descendre. Aïe aïe aïe, bon, il faut qu'on arrête la demoiselle, vite. Pourquoi sur Kadara? Bon. Tu peux... Voilà, merci. Ah oui, j'ai encore Drake et Jal. Donc là, si je me souviens bien, j'ai fait la quête pour Korra, j'ai fait Liam, j'ai fait Drake, j'ai fait Jal. J'ai fait... Sevra, ouais, je l'ai fait aussi. Il y a vraiment que Pibi, en fait, que j'ai pas terminé. Oh putain, c'est hyper loin. Bon, ok. On peut y aller d'où? On va y aller d'ici. Même l'eau ressemble à une plaie purulente qu'aucun traitement ne peut soigner. Vous voulez que je vous renvoie sur le Tempête? C'est possible. Fallait pas lui dire ça, je pense. Ah, c'est vrai, ça n'aime pas quand c'est en deux pour grimper. C'est vraiment une idée la con, ça. Le mode je grimpe et le mode vitesse. Merde, je fais ce que je veux si je veux aller par là. Mais non mais... Oh! Ça suffit! Non mais vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment me faire faire tout le tour? Eh ben on va faire tout le tour, voilà. Allez, hop. Oh non, là ils sont vraiment cons, sans déconner, il y a tout un accès, pourquoi on devrait pas y aller? Putain, encore ils m'auraient foutu une montagne qui nous montre comme quoi on peut pas grimper, là, ok, mais là... Putain, mais les murs invisibles et ce genre de conneries, c'est... C'est ce qu'est le cancer aux jeux vidéo. Ça devrait pas exister. Qu'est-ce qu'ils peuvent être débiles avec ça? Et c'est pas que, hein. Zenimax fait pareil avec des murs invisibles. Je pense notamment aux habitations dans le housing. Mon dieu, c'est pareil. On a des trucs avec des... Tu devrais pouvoir passer. Bah non. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi tout est cassé? Allez, de Curate, je sais pas du tout ce que c'est. Ils sont tous morts. Comment ça a pu arriver? Je ne vois aucun signe d'attaque. Scanner les corps pourrait nous en apprendre davantage. Non, 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 on s'en occupe pas. Ça suffit, arrêtez. Okay. Moi, je veux faire mes quêtes principales. Je veux faire mes quêtes annexes, et ensuite, pas, je me casse et on fait les quêtes principales. Principaux. Hop là, qu'est-ce que nous avons par ici? Nous sommes tout près de la navette volée par Ruth Baker. Bon, moi elle est éloignée du monde. Bon, faites attention et ne vous approchez pas de Ruth quand on l'aura trouvée. Je m'en occupe. Sam pourra me protéger, mais c'est trop risqué pour vous. Vous approchez pas de Baker, parlez-en à personne, bla bla bla. J'ai lu le rapport médical. Alors dites pas venir, mais bon... L'atterrissage a été mouvementé. Ici Ruth Baker. La navette s'est écrasée. Je pense être au stade 3 du TH314. Le virus était latent. Je ne comprends pas. Personne ne doit s'approcher de moi. Je vais configurer les balises d'avertissement et faire exploser la navette. J'ai peur. J'ai beau être seule, je ne veux pas prendre de risques. Je suis vraiment désolée. Qui est là? Non. Non, attendez!
Ne vous approchez pas de moi. Vous ne devez pas. Merde. Quelqu'un l'a trouvé et l'a peut-être enlevé. Dans ce cas, il se peut que la maladie se répande. Par ici. Plusieurs empreintes de pas différentes. Indique des Angara. D'accord. Merde. Oh putain, pas des Angara. Putain, la plus. Oh merde. On va reprendre le vaisseau. Suivez-moi. Tiens, allez-y, allez-y. Vu l'endroit où on se trouve et la balise, je dirais que ce ne sont pas des alliés. Des Rohikars. Bon, c'est déjà ça. Ils considèrent tous les aliens comme des envahisseurs et moi, comme un traître, parce que je collabore avec vous. Aucune chance de négocier alors? Ils vous tireront dessus dès qu'ils vous verront. Ça par exemple, voilà, ils auraient pu prévoir que ça on le fasse bien après, sans déconner. Là c'est débile. Personne ici n'a l'air malade. Ils ont dû l'exécuter. Arrêtez-les! Ils doivent pas s'en mêler! Oui, je me suis raté. C'est fermé. Hein? Ah, d'accord. Les recherches sont fiables, pionnière. Les Angara sont réellement immunisés contre le TH-314. Ah, bon, c'est déjà ça. On préviendra Harry à notre retour. Ça l'aidera peut-être à trouver un traitement ou un vaccin. Effectivement. Alors, tout est prêt, merci. Affronter le chef des Rohikars. Les Angara sont immunisés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me soulage énormément. Mais maintenant, ce sont les Rohikars qui m'inquiètent. Je me doutais que vous diriez ça. Vous deux... Reculez! Reculez! Ou je la tue! Non, 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 non! J'ai le TH-314, je suis contagieuse! Ne vous approchez pas de moi! Silence! Humaine! Laissez-moi partir ou elle mourra! Je vois un Angara, mais j'entends parler un Kert. Silence! Vous ne savez rien! Comme les Kert, vous n'êtes que des envahisseurs! Les Rohikars vous tueront tous! Vous ne pouvez pas le laisser partir. Je crois qu'il a un échantillon du virus. Tuez-le! Vous avez le choix, humaine. Sauvez cette femme, ou essayez de m'arrêter. Sam, analyse-le. Est-ce qu'il a un échantillon du virus? Affirmatif. Mais il est tellement dégradé qu'il est peut-être inutilisable. Laissez-moi partir! Tout de suite! Vous et votre échantillon n'irez nulle part. Vous l'aurez voulu! Et merde. Non, attendez. Non, 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 ça me plaît pas. On va recharger. C'est moi qui suis con, j'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. L'endroit où on se trouve et la balise, je dirais que ce ne sont pas des alliés. Oh putain. Des Rohikars. Ils considèrent tous les alliés. Non, oh, voilà, merci. Comme un traître, parce que je collabore avec vous. Mais laisse ce fil tranquille. Ils vous tireront dessus dès qu'ils... Excusez-moi, voilà, petit problème de type animal. Voilà. On refait tout ça. Les recherches sont fiables, pionnière. Les Angara sont réellement immunisés contre le TH-314.
On préviendra Harry à notre retour. Ça l'aidera peut-être à trouver un traitement ou un vaccin. On devait pas prendre un datapad ici, là, comme on avait fait la dernière fois. Là, lui, là. Non ? Bon, bah tant pis. Oh merde ! Vous pouvez partir, mais si vous lui infligez la moindre égratignure, vous êtes mort. Vous êtes une imbécile, humaine. N'approchez pas, je vous en prie. Je ne veux pas vous contaminer. Et si on s'inquiétait de vous plutôt ? Vous n'avez pas du tout peur ? Vous êtes immunisé ? Je ne comprends pas. Comment c'est possible ? C'est compliqué et on n'a pas le temps. Venez, on va vous installer dans le module de stase. Il faudra peut-être des siècles pour trouver un traitement. D'ici là, Charlie sera mort. On mettra Charlie en stase aussi. Tout ira bien. Je n'y avais pas pensé. Très bien alors. Merci. Putain, tout ça pour ça. Suvi, on a un module de stase prêt à être récupéré. Suivez scrupuleusement les procédures de décontamination, ok ? Vous l'avez trouvée ? Elle va bien ? Elle est installée confortablement et prête à partir. On arrivera peut-être à la soigner un jour. Je l'espère aussi. Ok, bon, ça, c'est fait. On n'a plus qu'à retourner sur le Tempête, et pour ça, on retourne au Nomade, et on s'extrait. Voilà. Ça, c'est fait. Alors... Ravi de vous revoir. Moi aussi. Le terminal de messagerie. Ok, message. Très bien, ça me va. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme quête ? En orbite autour de Kadara. Ouais, bah Kadara, on n'y va plus. C'est bon, terminé. Fini, Kadara. Alors, on a chasse à l'Archonte. J'en veux pas. Et là, Aden, un avenir pour notre peuple, Nexus. D'accord, bon bah on y va. Pour notre peuple, c'est parti. Y a toujours que deux trucs. Peut-être que attends, tâche, mise à l'épreuve et d'un commandrac. Ok, bon, on y va. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si le truc est à peu près détruit, en plus de ça, grâce au peuple. Mais la vache, je vais y arriver. J'ai plus le nom, ça y est. Grâce aux Angara, voilà, on va pouvoir peut-être trouver un remède. Ah, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, à mon avis. Pour le virus, ça devrait être ok. On est bon. Voilà, alors, donc, où c'est que... Ah. Alors, tac, 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 tac. Est-ce qu'on a une quête ici? Non, on n'a pas de quête ici. Alors, attends, on va faire ça. Relation des alliés. En attendant, trouvez comment déverrouiller le dernier souvenir de votre père. Ouais, ça j'aimerais bien, mais bon. Trouvez l'origine du signal dans le système de Nalesh. Ouh, ça, il faudra le faire. Trouvez les pistes de l'Arche Galarienne. On en a absolument aucune. Ah, c'est peut-être ça, justement.
Allez, endroit indiqué sur El Aden. Retournez au poste du contrôle de Nexus. Ah bon? Eh ben on y va. C'est parti. Pionnière, ici le contrôle du Nexus. J'ai déchiffré le brouilleur que vous avez trouvé. Je vous envoie les informations. Ah, ben voilà. Bon travail. Terminé. Sam? Données reçues, pionnière. Le brouilleur contient toutes les preuves nécessaires pour incriminer Spender. Et ben voilà. Et hop. Nakmor Mordal triomphe d'un défi qui mettait en jeu son titre de chef suprême des Krogan. Suite à leur exil du Nexus, Jorgal Strux s'était autoproclamé chef légitime des Krogan dans Eleus. Mais Morda a conservé son titre en vacant Strux lors d'un combat public devant une foule en délire sur Eladen. Voilà. Correspondance décryptée. Je sens que ça va plaire à Drac. Et du coup, il faut qu'on aille ici. Parler à Drac sur le Nexus. Ah bah oui, il doit être avec sa petite fille. Merci pour les bières de Kadara. Cet endroit me rassure pas. Si les cartes vous trouvent. Alors on défendra la station. C'est tout ce qu'on peut faire. De ton côté, tu protèges la pionnière et tu occupes les cartes. Et fais attention, je n'en ai qu'un comme toi. On a tout ce qu'il nous faut sur Spender. Ça fait près d'un an que j'attends ce moment. Prête ? Oui. En espérant que ça durera pas je ne sais combien de temps. Ce serait sympa de ramener à Morda sa tête au bout d'une pique. Ça ferait un joli cadeau. J'ai presque envie de vous laisser le faire. Rigolez pas, j'en suis capable. Je n'ai pas eu le choix. Arwan a dit qu'il me tuerait. Vous avez aidé les mutins, Spender. Ça, c'était délibéré. Vous n'aviez qu'à demander de l'aide. Mais vous avez préféré mettre tout le monde en danger pour sauver votre peau. Des gens sont morts à cause de vous, Spender. Ils disaient qu'il n'y aurait pas de blessés. Je n'ai fait de mal à personne. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes fini, l'ami. Et avec un peu de chance, ils vous livreront à moi. Tout ce que dit la pionnière est vrai. Voilà la preuve. Un brouilleur plein de registres dont des transferts de crédit aux exilés. Ça dure depuis la mutinerie. Il efface des fichiers, vole du matériel, communique avec eux. On a les aveux d'Arwan, l'un des exilés. Arwan, cette fois j'enregistre. On travaille avec Spender depuis la mutinerie. Il nous fournit armes et provisions, tant qu'on met la pression sur les Krogan. Je ne sais pas ce qu'il a contre eux, mais il les déteste vraiment. Je peux même pas imaginer les dégâts qu'il a causés. Parce que vous n'avez rien à vous reprocher, Kandros ? Nous voulions tous voir les Krogan partir. Je n'ai fait que faciliter les choses. Les exilés pensent que je travaille pour eux, tout comme vous, vous pensez que je travaille pour vous. C'est ça, la politique. Et tout ça juste sous nos yeux ? Spender, merde ! C'est la faute de Spender, c'est votre faute, Addison. C'est leur faute à tous en fait, c'est pas juste... Bon, on va dire Addison parce que bah, elle est responsable quand même. Enfin, responsable du bazar, hein, pas responsable des actes. Si on compte les actes, c'est Spender, mais bon, Addison, voilà. Les Krogan sont partis. Spender leur a forcé la main, et vous l'avez laissé faire. Bon sang. Merde ! Tan ne voulait pas me lâcher avec cette histoire de Krogan. Je me suis laissé distraire. Vous avez une chance de vous racheter. Et si vous commenciez par prendre notre parti, quand mon clan essaiera de négocier avec Tan? Vous avez besoin de nous. Et pour être honnête, on a besoin de vous. Vous avez raison. Je vous soutiendrai. Nous ferons les choses correctement cette fois. Et lui alors? En prison, pas exilé, ça va pas on ou quoi? On l'enferme. Ça ne sera pas le dernier, mais il fera figure d'exemple. Vous allez me jeter dans une cellule, comme ça? Ça pourrait être pire. On pourrait vous jeter de la station. Pensez à ça 2 minutes. Merci, Ryler. Vous imaginez pas comme je suis content que cette affaire soit réglée. Et voilà. Ça, c'est fait. Par conséquent, ben voilà, on va pouvoir... qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? Tâche supplémentaire. Oh là là, détruire les appareils guerre, terminer, pyrénéité. Bon, ça, très honnêtement, je vais pas m'en occuper. Hein. C'est bon, scanner les cadavres des charognards, c'est bon, ça suffit. Foutez-moi la paix.
Bon, et inspecter les coordonnées du deuxième satellite disparu. Chercher une relique en gara sur Völd. Merci, super sympa. Hop, on est au bout de la demi-heure. Alors, fouiller le centre médical d'Aya. La ville à la frontière. C'est quoi ça? Pourquoi deux? Site inspecté. Enquêter les attaques des vaisseaux du Nexus. D'accord, pourquoi pas. Apporter les encas à Vetra sur le Tempête. D'accord. Donc il y a ça à faire. Donc il y a Pibi. Et trouver les pistes de l'Arche Galarienne. Ben, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça, là. Trouver le truc de Nalesh. Opération prioritaire, chasse à l'arc. Contre ça, on le fera une fois. Par contre, les tâches, je m'en occupe pas. Hein. Je le dis de suite, je m'en occuperai pas. Bon, ben, Tiami, on se retrouvera donc sur la Tempête. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao, bisous.